Monsieur l'ambassadeur, Sehr geehrter Herr Staatssekretär, Monsieur le directeur de cabinet, Madame la directrice, je vous remercie pour vos messages de félicitations, de soutien et d'encouragement, et pour vos vœux. Ces messages et ces vœux, je les relais à tous les membres de l'équipe qui m'entoure. J'y associe également les équipes, leurs directrices et leurs directeurs qui nous ont précédés depuis la création du centre. Vos remerciements leur reviennent également. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, s'il fallait caractériser le centre Marbloch en quelques phrases, je dirais « C'est un centre dont le dynamisme tient à l'immersion de ses chercheurs dans deux cultures scientifiques et à une pratique quotidienne de l'interdisciplinarité qui sont propices au renouvellement des approches et des méthodes. » Quelqu'un d'entre nous a dit un jour « Le souffle du centre pousse dans le dos ». Cette dynamique, je la ressens et je la vis depuis 2 ans maintenant. Et je remercie Béatrice von Hirschhausen, Daniel Schönflug, Lucille Debras pour l'équipe unie que nous formons, de même que l'ensemble des membres actuels du centre. Un des exemples pour moi les plus marquants de ce souffle est cette série d'écoles d'été sur la world music et la diversité culturelle, où des doctorants en musicologie, en ethnologie, en sociologie, en études urbaines, en philosophie, en histoire, venant d'une dizaine de pays du monde différents, dont le Brésil, ont avec passion et en 3 langues confronté leurs perspectives disciplinaires et partagé leurs pratiques musicales. Au Centre Marbloch se pratiquent des recherches qui sont au cœur des débats des sociétés actuelles. Hier, les lieux de mémoire, l'islam transplanté du regretté Rémi Levaux, la comparaison à l'échelle globale, la démocratie participative. Aujourd'hui, les politiques migratoires, les questions de sécurité, les frontières fantômes en Europe centrale et orientale, ou encore, pour les années à venir, le projet Saisir l'Europe, Europa als Herausforderung, dont on a parlé. Tels sont quelques-uns des thèmes qui s'identifient au Centre Marbloch et aux travaux de ses chercheurs. Franco-allemand dès l'origine, comme le voulaient ses fondateurs, mais financé essentiellement du côté français au départ, le Centre est devenu aujourd'hui une institution binationale. Sans doute, l'idéal serait-il d'arriver à une parité qui puisse permettre qu'un jour chercheurs et doctorants en provenance de nos 2 pays, mais également d'ailleurs, se retrouvent au centre en nombre équivalent. Aujourd'hui, environ 40% des chercheurs et des doctorants qui y séjournent sont d'origine allemande ou proviennent d'autres pays, essentiellement européens. Ce caractère binational s'est encore renforcé, vous l'avez dit, en 2011, avec la signature d'un contrat de coopération privilégié, mais non exclusive, avec l'Université Humboldt de Berlin. Ce sont là autant d'étapes dans l'effort d'intégration dans le paysage académique et scientifique allemand que poursuit le Centre Marbloch depuis sa création. Mais parler d'effort, c'est aussi rappeler que ces 20 années n'ont pas été un long fleuve tranquille. Il a fallu en effet beaucoup d'enthousiasme, d'inventivité et de conviction, mais également de la volonté et de la ténacité pour faire du Centre ce qu'il est aujourd'hui. Ce caractère binational franco-allemand marque de son empreinte la physionomie même du centre, que ce soit au niveau de sa direction, dans son équipe de chercheurs et de doctorants, ou dans le fonctionnement et le travail de recherche collectif, ainsi que dans l'organisation de colloques et le montage de projets de recherche. Si le centre Marbloch joue un rôle actif de passeur de la recherche française en Allemagne, s'il est un relais important de la coopération scientifique, franco-allemande d'abord, mais aussi plus largement internationale, il s'impose également de plus en plus comme un centre de recherche à part entière. La double évaluation à laquelle il a été soumis cette année de la part de l'AERS et du Wissenschaftsrat confirme cette fonction. Pour preuve également la politique active de projets sur financement tiers que mène le centre Marbloch. Les financements tiers ont été multipliés par 8 en l'espace de 10 ans, et représente aujourd'hui 1/4 du budget total du centre. Actuellement, la moitié des chercheurs séjournant au centre sont financés sur projets de recherche. Le succès que rencontre le centre et ses chercheurs dans le montage de projets de recherche tient sans doute à l'environnement et à la fois pluridisciplinaire et franco-allemand qu'offre le centre et qui apparaît favorable à des propositions de recherche originales et inventives. Ces projets, toujours montés en partenariat, je tiens ici à saluer bon nombre de nos partenaires, contribuent également à l'élargissement des réseaux du centre. Les activités du centre se développent en effet dans un vaste réseau de coopération
en France, en Allemagne et notamment à Berlin, mais également à l'échelle européenne et en particulier, le Centre développe depuis longtemps déjà des liens de partenariat scientifique avec les pays d'Europe centrale et orientale. Cette visée sur fond franco-allemand est également à l'initiative de l'ambitieux projet Saisir l'Europe, Europa als Herausforderung, fortement soutenu par le BMBF et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il constitue une nouvelle étape dans les relations scientifiques franco-allemandes. En effet, pour la première fois, collaborent pour une durée de 5 années et en rassemblant leurs ressources et leurs compétences, 7 des institutions les plus engagées dans la coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales. 20 postes de post-doctorants et de doctorants seront créés et une 20aine de partenaires d'excellence y seront intégrés. Ainsi, si la dimension franco-allemande est fondamentale dans le fonctionnement et les activités du centre, elle n'est néanmoins pas une fin en soi. Sur fond franco-allemand, et à partir d'une expérience de confrontation binationale, le Centre Marc Bloch mobilise en effet son expertise en matière d'approche comparative, notamment, pour élargir ses horizons à toute une série d'objets européens, voire extra-européens. Le concert qui sera donné ce soir est en ce sens une illustration du processus d'ouverture auquel tend régulièrement le Centre, une ouverture qui est à la fois géographique et thématique. Ainsi, la thématique concernant la manière dont le numérique transforme les interactions sociales à travers l'étude des communautés virtuelles, ou encore la question du genre et des mobilités à travers l'étude de la prostitution forcée, sont quelques-unes des directions dans lesquelles s'engage le centre. Si les chercheurs sont la force du centre, les doctorants en sont sa richesse. L'encadrement doctoral est une mission essentielle et un élément fondamental du centre depuis ses origines. Comme à ses débuts, le centre demeure un lieu attractif pour les jeunes chercheurs qui trouvent un lieu d'encadrement et d'échange propice à la bonne conduite de leur recherche. Aujourd'hui, 35 doctorants en moyenne y séjournent chaque année, et ceci bien que le centre ne puisse leur offrir malheureusement qu'un nombre fort limité de financements stables. Même depuis peu rebaptisé, le séminaire de méthode, où un lundi sur deux, chercheurs et doctorants se rassemblent pour discuter d'une recherche en cours, reste un moment prégnant de la vie du centre. Du caractère de grande famille, qu'ont su si bien insuffler Étienne François et Anne-Marie Conan, que je salue, demeure une ambiance conviviale, favorable à l'échange, même si, en déménageant à Miteux, le centre a perdu en charme ce qu'il a gagné en espace. Le centre est ainsi passé de l'ère de la bohème à celle du confort. Le centre Marc Bloch peut se prévaloir d'une réussite certaine, tant par le nombre et la qualité des thèses soutenues que par les parcours professionnels après la thèse. Toutefois, un des atouts majeurs de la formation proposée au centre consiste indubitablement dans la confrontation sur place et au quotidien de traditions scientifiques et de manières de faire académiques différentes. Cette confrontation, ajoutée un environnement académique berlinois très internationalisé produit des effets bénéfiques en termes d'ouverture intellectuelle et d'apprentissage de nouvelles méthodologies. Ce 20e anniversaire a été l'occasion de réaliser enfin un vieux projet, à savoir une enquête auprès des anciens et actuels membres du centre. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont répondu à cette enquête pour laquelle nous avons reçu 216 réponses sur les 386 personnes interrogées. Le but est double. D'abord, fournir des éléments chiffrés et qualitatifs dont l'analyse permet de tirer des enseignements sur le centre, sur son rôle et son impact dans la construction d'un espace européen et international de la recherche et de la formation à la recherche. L'autre but est de constituer une base de données régulièrement actualisée qui permettent de suivre la carrière et les évolutions thématiques des anciens chercheurs et doctorants du centre. Car nous souhaiterions à l'avenir puiser bien davantage dans ce vivier que constituent les membres passés et présents du centre. Les résultats et analyses de cette enquête seront publiés ultérieurement. Les premiers éléments se trouvent cependant au-delà de la publication sous forme de posters dépliants que nous avons voulu réaliser pour ces 20 ans, et qui se trouvent dans les pochettes qui vous ont été remises. 20 ans, 20 portraits. Ce sont 20 visages saisis par l'objectif de Julien Menant, 20 prises de parole de doctorants et de jeunes chercheurs, un par année, qui constituent tout au long de ces 20 ans
autant d'expressions, de témoignages et de souvenirs d'un séjour au centre. Sous la forme d'une mosaïque, ce poster compose ainsi une histoire subjective de ses 20 ans et met en valeur la pluralité et la richesse des expériences. Pour beaucoup, le centre a été vécu comme une chance et comme un moment fort et prégnant. L'enquête le montre du reste, puisque 89% de ceux qui ont été interrogés affirment que leur séjour au centre a eu un impact important sur leur trajectoire personnelle. Ces prises de parole font sentir également l'attachement qui, par-delà les années, unit chacun au centre. Le centre, on y vient, on y revient. Le centre vit du renouvellement régulier de ses chercheurs et de ses doctorants et reste un lieu d'accueil pour ceux qui ont croisé sa route. Pour terminer, je voudrais donc me tourner vers les anciens. Vous revoir est un plaisir chaque fois renouvelé. Et pour paraphraser la chanson, Sie haben noch einen Koffer im Centre. Merci pour votre attention. Et maintenant, place à la musique.